Bonjour les gens. Bonjour les gens. Deuxième jour, on est à la bourre partout. C'est vrai. Merci. Un petit peu. Ah, sexuellement correct, c'est pas bon. Allez, on arrête les conneries. On se détend, tic-tac. J'ai été interrompu par un monsieur qui a laissé un message. J'ai absolument rien contre cet homme-là. Qu'il fasse son métier, je viens pas lui donner des cours. Qu'il nous laisse tranquille. Donc. J'ai Mylène qui me travaille. Celui-là est été comme demandait le client. L'autre derrière là-bas, est été aussi, vous l'avez vu hier. Il y a celui qui est derrière. J'espère qu'il va pas me le faire couper trop bas. Voilà. Mais bon, on va faire. Ce qu'on nous dit de faire. Je voulais juste dire au monsieur là, qui m'a dit que lui se permettait de refuser du travail et tout ça. Quand on a 20 ans d'armée, une retraite militaire derrière, effectivement, on peut se permettre de refuser du travail. Mais lui, il peut pas. Non, parce que toi, t'as pas une pension militaire qui tombe tous les mois quand même. Oh non. Eh merde. Tant pis. Tant pas pis. De chance. Pas de chance. C'est facile. Hein, mon Lilic. Quand on a entre 2000 et 3000 balles qui tombent tous les mois... C'est facile de leur refuser du boulot. On peut. Moi aussi, j'en refuserais. On ferait tout ce que t'es en train de dire, Mylène. Pas la mienne. L'autre, dans le 4x4. Ouais. Hein, ma chérie. Eh oui. Allez, on arrête ça. On équipe, on grimpe, on coupe. Broyeur, alors Mimi est pas là parce qu'elle est pas bien. Ça nous laisse pas. Ça c'est fidèle, la gastro. Beaucoup trop bon. Allez, on y va. Bon Dom, faut y aller. Vous m'inspirez une vaillance de fou. Et qu'est-ce qu'il fait Dom? Il cherche par où grimper à l'arbre. C'est ça, il cherche le chemin qu'il va prendre. Celui-là me paraît pas mal. Faut serpenter un peu, mais... Pourquoi on cherche le chemin, comprends? Parce que c'est plus facile quand t'es par terre de tourner autour de l'arbre et de voir la pointe que quand t'es dedans. C'est pour ça que on cherche avec le bas. Avec le bas? Du bas. Du bas. Et quand vous voulez couper un arbre, d'entrée avant de monter, vous regardez les aplombs. Vous le regardez depuis le bas. Bon, il va sûrement changer un petit peu là-haut. Parce que vous verrez pas la même chose là-haut. Ça vous donne un ordre d'idée d'où vous allez passer et où vous allez grimper. Et la gage, ça tombe pas du ciel. C'est pas fait... Allez, on y va. Alors, on ne tape pas sur le tronc. On s'appuie délicatement. Et on ne fait pas le koala. Le koala, il griffe l'arbre en montant. Les clous ne servent qu'en point d'appui. On contrôle les branches en montant. Ah, tu vois, le trou, il est là. Ici. Où ça passe, là? Un bachot, là-bas, t'as la piscine. Et là, tu vois, t'as toutes les branches. Donc ça, sinon, c'est tout broyé. Est-ce que tu comprends ça? Marqué en blèche. Ah. Là, c'est le coup de vent. Il va me le faire couper là, je suis sûr. Bon, à mes pieds. Attends, je sais bien celle-là. Celle-là, elle va casser, c'est presque sûr. Merde. Fais chier. Ça. Il m'a dit faire le quoi là. Vous êtes où? Il est en bas? Oui. Attention. Il est étage. Yalla, yalla. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut appeler le monsieur, savoir ce qu'on fait. Si tu pouvais me raccourcir encore un peu. Jusqu'où? Jusqu'à tes pieds. Donc on laisse celle-là? Oui. Et on laisse celle-là? D'accord. Et on enlève celle-là?
Ouais. Ça roule. Ça va faire gros, mais... On est con, hein, on est con, hein. Bon, maintenant que j'ai foutu ma merde partout, là. Ah, peut-être voir que je me mette à nettoyer un peu. Ah, putain. Eh ben, c'est lourd, hein, le bois d'arbre. C'est très lourd, le bois d'arbre. C'est un l'herbe. Raté. Alors quand ça coupe en bas, tu bouges plus. Hein. Plus d'un mille. Quoi? Moi aussi, pas atterri celle-là. Ah, tu crois que t'avais dit raté? Attention là-bas. Oh, là, non, mais j'approche pas, t'inquiète. Et où mon chien? Attention, BDB. Fougère. Attends, là, sa grande sœur qui arrive. T'as vu, BDB? Pas bête, hein. Le monsieur d'hier soir. Oui, s'il n'y a pas la charnière, la coupe est pas droite, le tenon, la mortaise. Regarde, si c'est pas beau. Là, ça tenait pour que ça aille pas là-bas, là, ça tenait pour que ça me revienne pas sur la gueule. Le creux, là, du canard, ça va là-bas. Mais roule, ma fée. Oui, c'est trop gros, je sais. Mais bon, c'est mieux que là-bas. Au départ, on était à 3-4 mètres en dessous. Alors, il y en a qui sont pour le plat, il y en a qui sont pour le grand biais. Moi, je laisse un petit biais. Et en espérant que la branche remonte et... Mais ça, c'est dans mes rêves les plus fous. C'est déjà bien trop gros. Attention dessous, de ce côté-là. Enfin, je vais essayer. J'ai pas gagné. Ah, mais attends. Allez! Oh, c'est là, me cherche! Personne dessous! Ah, ouais! Mon chien! Oh, c'était mon chien! C'est mon chien! Alors? Il est monté où le type? Attends, il est monté avec des clous. Moi, je sais où il est monté, mais je vois pas. Alors, on sait qu'il est monté en arbre le type. Pourtant, il fait 110 kilos. Tu devrais le voir. Oh, mais vous abîmez les arbres. Vous les touillez. Vous leur faites des marques qu'on ne peut pas enlever. Elle est où la marque? Non, ben ça... Ils critiquent mon boulot, mais j'ai critiqué le leur. Ah, ça. Alors, je suis monté là. Voilà. 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 Bon, et bien voilà les gens. Et voilà, c'est tout propre. C'est tout propre. Bon, on finit sous la pluie. Enfin, pluie, brouillard. La brune, quoi, ce qui tombe depuis ce matin. Voilà, la merde. Ici, tout propre. Toi, d'ici, tout nettoyé, comme d'habitude. On laisse toujours tout propre. Là-bas, pareil. Tout propre, tout ratissé, tout nettoyé. Tout est propre, tout est nickel. Les arbres. Sont étêtés. Comme l'a demandé le client. Bah nous, on va rentrer parce que il fait pas chaud. Non, et puis qu'il est trop tard pour entamer autre chose. Oui, on va pas aller ailleurs maintenant. Pas de chance. Pas de chance. Pourquoi pas de chance? Je sais pas moi. Il a dit ça comme ça. C'est ouais, tout. Comme ça. Il avait envie. Allez, on vous laisse. Là, on y va, parce qu'on a froid et on est gelé. Ouais.
Soyez sages. Mais pas trop. Mais pas trop, faites attention, ouais. Les lagages, ça fait mal, ça tue. Et puis, ne faites pas n'importe quoi dans les arbres. Voilà. Non. Écoutez ce que dit le client. Ça va déplaire à quelqu'un. Big up, c'est pour toi. Allez, ciao à tous. Ciao les gens.